Amis lecteurs, amis téléspectateurs, amis du Congo, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Le Compte à rebours, nous recevons une personnalité importante de l'échiquier politique national, c'est M. Bruno Mavungu, secrétaire général de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. M. Bruno Mavungu est de passage à Bruxelles et il va nous dire pourquoi il est là et nous passerons aussi en revue l'actualité nationale. Monsieur Bruno Mavungu, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut connaître les raisons qui ont motivé votre voyage ? Oui, je suis à Bruxelles. Vous savez que depuis un certain moment, le président du parti, Étienne Tshisekedi Omulumba, est à Bruxelles depuis plus d'une année. L'année passée, il m'a fait venir, il m'avait invité et je suis venu lui faire rapport des activités du parti. Et c'est ce qui est à refaire aujourd'hui. Je suis venu sur invitation de son Excellence pour lui faire les rapports des activités du parti, non simplement des activités du parti, son parti, mais aussi l'actualité politique telle qu'elle se déroule dans le pays. Bien, merci M. Bruno Mavungu. Vous venez effectivement de la République démocratique du Congo. Et avant d'aller dans le vif du sujet, comment vous avez laissé le pays, comment vous avez laissé nos compatriotes là-bas du point de vue social, économique, culturel, politique? Bon, écoutez, je crois que vous êtes le mieux placé ici pour suivre effectivement ce qui se passe. Vous savez le suivre sur papier, dans les calculs. Et c'est vrai que nous qui vivons sur place, nous le vivons dans le quotidien. Et c'est vraiment dû, du point de vue social, c'est la faillite totale de l'État. L'économie, ben, pas de pouvoir d'achat et voilà. Le peuple congolais aurait aimé qu'il y ait des signes positifs du pouvoir en place par rapport au processus électoral. Au niveau de l'UDPS, qu'est-ce que vous percevez par rapport au pouvoir en place? L'UDPS s'est battu et continue à se battre pour la restauration d'un état de droit en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons nous fatiguer parce que nous devons atteindre cet objectif. Et nous savons que pour atteindre cet objectif, il faut passer par une élection. L'élection des mandataires pour diriger le pays. Et pour nous, puis c'est un état de droit qu'il faut restaurer. L'élection, pas n'importe laquelle, mais la bonne élection. Et c'est pour cette raison que l'UDP souhaite que cette élection qui vient l'année prochaine, 2016, soit la plus paisible possible et soit la plus transparente possible, soit crédible aux yeux de Congolais eux-mêmes, mais aussi aux yeux de la communauté internationale. Et c'est cette élection qui produira les animateurs qui vont diriger le pays de manière légitime. Et nous avons espoir qu'à partir de ce moment-là, des choses vont marcher. Monsieur Bruno Mavungu, nous ne sommes pas encore aux élections. La CENI, Commission électorale nationale indépendante, avait promulgué un calendrier électoral pour 2015-2016. Nous sommes fin octobre, il n'y a rien, on a juste enregistré les candidats pour des élections. Il aurait dû avoir le 25 octobre, donc dans moins de 10 jours. Et plus rien. Est-ce que vous faites confiance en cette CENI-là? Et si vous ne faites pas confiance, quelle est la solution de l'UDPS? Depuis la création de cette CENI, l'UDPS, vu les personnes qui étaient appelées à animer cette grande structure, l'UDPS n'a pas fait confiance en cela. Et parce que
non seulement parce que les personnes qui étaient là-dedans n'inspiraient pas confiance, et parce que ils sont nés, cette CENI est née d'un parlement illégitime. Je ne veux pas trop vous dire de choses, c'est un parlement. Pour la plupart de membres de ce parlement, n'ont pas été élus, mais plutôt nommés. Donc voilà, un tel parlement ne peut pas non plus produire une CENI crédible. Donc depuis ce moment-là, nous avons crié qu'il ne faut pas cette CENI-là. Et vous êtes sans ignorer que l'animateur principal de cette CENI avait... C'est celui-là qui avait dirigé la CENI de 2006. Et les résultats, nous les connaissons tous. La guerre, après la publication des résultats, la guerre à Kinshasa. Et lui-même a publié ses résultats dans un bunker, donc dans un char de combat. C'est vous dire qu'il était certain que ce qu'il faisait était mal fait. Donc, c'est une CENI pour nous qui, depuis toujours, n'a jamais existé. Et maintenant qu'il y a de bandades pratiquement dans cette CENI, pour nous, nous considérons que c'est une chance pour la République. Parce qu'il va falloir monter une autre structure qui va, cette fois-là, nous amener aux élections. Mais cette structure ne peut pas être choisie comme ça par une seule tendance politique. Nous voulons dire que nous allons dans un dialogue, et c'est au cours de ce dialogue que les deux tendances vont se choisir in CENI de manière consensuelle. Vous êtes sans ignorer qu'en face de vous, vous n'avez pas des gens de parole. Ils disent une chose, ils font le contraire et ils traînent les pieds à croire qu'ils ne veulent même pas organiser les élections. À supposer qu'ils font traîner les choses, et vous savez vous-même, vous l'avez dit, ça gronde dans la population est fatiguée de la misère. Quelle parade pourrait être celle de l'UDPS pour pousser ces gens à malgré tout se mettre d'accord avec tout le monde et ensuite à faire un calendrier avec tout le monde, qui soit accueilli par tout le monde et qui soit à mesure de nous amener effectivement aux élections. Pour l'UDPS, c'est depuis la publication des résultats de 2011. Le pays se trouve dans une crise d'abord de légitimité. Et aujourd'hui, cette crise provoque pas mal de problèmes de crise sociale. Donc, mais pour l'UDPS, la sortie des crises réside dans la tenue d'un dialogue sous l'égide de la communauté internationale. Et parce que, comme je vous ai dit, pour nous, pour le moment, le seul objectif qu'il faut poursuivre, une très bonne élection pour l'élection présidentielle et l'élection législative. Et qu'il faut que cette élection soit la meilleure possible. C'est ça la sortie des crises. Monsieur le secrétaire général, je réitère ma question. Oui. Vous, UDPS, vous êtes de bonne foi. Oui. Les gens en face ne sont pas de bonne foi. Exactement. Comment les amener à la table de négociation? Comment les amener à cette table? Dès que je rentre à Kinshasa, nous allons pouvoir bousculer pour les amener à vite aller sur cette table du dialogue. Donc, nous allons organiser des actions de rue. Voilà. Bien, merci, M. le secrétaire général. De toute façon, la population, ça a toujours été votre arme, votre armée d'ailleurs. Et donc, effectivement, ça gronde, ça attend. Et on a vu depuis que vous aviez essayé de dialoguer avec eux, ils ont fait des pirouettes et ça n'a pas avancé. Bien, merci. Maintenant, notre prochaine question, c'est par rapport à l'après-élection.
si les élections devaient se tenir, vous voyez l'UDPS gagner les élections? Et pour certains, ils disent qu'on y aille maintenant parce qu'en fait, ils n'ont jamais eu besoin de la transparence. Et c'est dans les cafouillages qu'ils sont très forts, hein, des tricheurs de tous les temps. Et nous disons, non, nous allons d'abord au dialogue et pour obtenir la transparence. Parce que pour l'UDPS, tant qu'il y aura la transparence, il gagne l'élection. C'est comme nous l'avons, malgré les cafouillages de la fois passée, mais nous l'avons gagné. Nous avons gagné cette élection. Ils ont pu rattraper de la manière que vous connaissez, par les armes, le char de combat ont circulé à travers toute la ville de Kinshasa. C'est ça leur effort, nous disons. Nous allons nous mettre ensemble au dialogue, réaffirmer devant Dieu, devant le peuple congolais et devant la communauté internationale comment procéder pour arriver à une très bonne élection. Ça, c'est ce que nous devons obtenir. Et une fois obtenu, c'est l'UDPS qui remporte l'élection prochaine. Bien, merci, monsieur le secrétaire général Bruno Mavungu. Faisons un peu de politique fiction. Vous gagnez les élections, vous arrivez au pouvoir, mais avant d'y arriver, qu'est-ce que vous promettez au peuple pour qu'il se mobilise davantage et vous donne le suffrage? Qu'est-ce qui va les pousser à vous choisir, vous UDPS, plutôt que de choisir tous les autres qui naissent régulièrement? Vous avez toujours vu depuis le départ de Mobutu que la population est toujours restée fidèle derrière Étienne Tshisekedi de Mulumba. Et parce que le peuple sait que c'est l'ouvrier fidèle du peuple. C'est les soldats qui défendent leurs intérêts. Et c'est les soldats qui défendent l'intégrité territoriale. C'est les soldats qui défendent le bien-être de la population. Donc, c'est cette confiance que Tshisekedi a su faire dans la population congolaise qui fait que tant qu'il y aura une élection, le peuple choisira Étienne Tshisekedi de Mulumba. Plus de Kabila après fin 2016. C'est pas même moi qui l'ai dit, c'est toute la population qui les clame. Ils n'en veulent pas. D'ailleurs, je peux vous dire qu'ils n'ont jamais voulu. Mais les choses ont été faites de manière qu'ils soient imposés au pays. Et maintenant, c'est arrivé la fin. La fin, et cette population attend, est debout pour attendre, pour sonner cette fin. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Bruno Mavungu, de vous être prêté à nos questions. Et chers lecteurs, chers téléspectateurs, amis du Congo, et le compte à rebours a bien commencé. Monsieur Bruno Mavungu l'a martelé, fin 2016, fin du compte à rebours. Et avant de nous séparer, monsieur Bruno Mavungu, quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est juste simple, c'est de demander au peuple congolais de continuer à faire confiance et à Étienne Tshisekedi Mulumba, que ce peuple connaît très bien, mais aussi faire confiance à l'UDPS qui y a toujours travaillé pour ce peuple. Nous vous remercions beaucoup, monsieur Bruno Mavungu.